Bonjour, c'est Patrick Blanchon. Alors aujourd'hui, je vais te montrer un de mes procédés en fait en peinture. Là, j'ai récupéré des affiches en fait que quelqu'un m'a donné. Alors c'est un papier assez épais. Elles sont imprimées avec une peinture de Monet. Et donc j'ai pensé que ça pouvait être pas mal ça pour te montrer un petit peu. Comment je pratique quand je recherche des idées en fait. Voilà, donc la première chose que je fais, c'est que je prends du gesso. Alors le gesso que j'utilise, c'est un gesso que je trouve dans un magasin bon marché, si tu veux, qui s'appelle Action, pour pas faire de pub, tu vois. Mais si tu en as un près de chez toi, va voir au rayon art graphique. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent être assez intéressantes, surtout si tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu as notamment ce fameux gesso, tu vois, et puis il existe en blanc et il existe en noir. Donc pour faire des sous-couches comme ça, un peu d'après, effacer des choses, etc., tu peux même garder un peu de transparence. Tu vois que le rectangle, en fait, où est imprimé le tableau de Monet, il reste quand même après la première couche. Et ça ne me dérange pas parce que je vais retravailler après avec d'autres couleurs. Ce que je voulais simplement, c'est atténuer en fait le tableau qui était imprimé. Et puis ensuite, je prends des morceaux de journal que je froisse. Et puis, je mets plusieurs morceaux comme ça. Donc, en principe, je mets un grand morceau, un moyen. Alors, ça peut être deux qui forment une masse moyenne et puis deux, trois petits... pour avoir un petit peu de différence, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je les incorpore en fait dans ma couche de gesso, et puis j'en remets même encore par-dessus. Alors comme c'est du gesso qui est pas cher, tu vois, ça doit être dans les même pas 3 euros, je crois, la bouteille. Tu peux y aller gaiement, c'est pas un souci, tu vois. Y a une grosse différence de prix d'ailleurs entre ce gesso-là et puis le gesso qu'on vend en magasin d'art plastique, qui doit coûter dans les un peu plus de 10 euros. Enfin, ça dépend où tu vas, c'est toujours pareil. Et enfin bon, moi je trouve que celui-ci, pour faire ce type de travail, est très bien. Plus ce genre de support, c'est bien aussi. Alors, si tu démarres, et ça arrive souvent, ça, moi je me souviens en fait quand j'ai commencé à peindre. Il y a très longtemps, c'est que peindre sur une toile ou peindre sur du beau papier, ça fait toujours un peu peur. Donc je me rappelle, moi, que j'avais commencé à peindre sur du papier journal. Tu sais, je prenais les doubles feuilles de papier journal, et puis c'est pareil, je leur passais un coup d'enduit comme ça, et puis en plus c'était chouette. Les débuts à l'acrylique, par exemple, je les ai fait comme ça. Il y a un côté un peu satiné une fois que l'acrylique est sèche, parce que l'acrylique, surtout l'acrylique brillante, quand elle sèche, avec cette texture de papier journal, ça donne quelque chose de très chouette. Tu peux même l'utiliser pour faire des fonds comme ça, et que tu vas déchirer après par la suite, pour coller après sur une toile, tu vois. Ça peut être aussi des choses assez intéressantes. Tu vas avoir comme ça des différences entre des espaces où il y a de la matité et puis d'autres où il y a de la brillance. Ça peut être sympa. D'ailleurs, je suis allé il n'y a pas longtemps au musée Rodez, le musée de Soulages, tu vois, et puis j'avais jamais vu l'étoile de Soulages en vrai, si tu veux, face à moi, et là j'avais été surpris en fait de ces petites différences qui existent dans ces tableaux entre le brillant et le mat, tu vois. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas que moi que ça a intéressé. Enfin bon, lui, il l'a fait bien avant moi, bien sûr. Moi, j'ai découvert ça. Je réinvente la roue, si tu veux. Voilà. Alors donc, une fois que tu as collé tout ton papier journal dessus, que tu as remis un petit peu de gesso, voilà ce que ça peut donner, tu vois. Après, tu peux le tourner dans tous les sens pour regarder. Voilà. Et puis là, je vais commencer à travailler avec un peu de couleur. Donc là, j'ai pris un peu d'ocre que je vais mélanger avec du noir pour obtenir un vert. Et puis je vais rajouter une toute petite touche de bleu dedans. Et puis beaucoup de blanc pour avoir un gris vert, en fait, qui va m'intéresser. L'intention de départ, en fait, de ce tableau, c'est j'ai envie d'une toile rouge. Alors tu vas te dire, mais c'est bizarre, si tu as envie d'une toile rouge, pourquoi tu commences par du vert? Eh bien,
Parce que le vert est la couleur complémentaire en fait du rouge, ça je le sais, tu vois, c'est un de mes procédés, ça. Par exemple, à la Renaissance, quand les peintres faisaient des portraits, si tu veux, ils commençaient toujours par une couche de vert. On appelait ça l'imprimatura, tu vois. Et ça leur permettait ensuite d'avoir des roses très très lumineux, presque blanc, tu vois, alors je pourrais pas t'expliquer en fait dans le détail la théorie de la lumière quand elle frappe en fait ta couche de rouge. Si tu as du blanc en dessous, tu vois, par exemple, et ben ton rouge va être diffracté dans tous les sens, alors que si tu as un gris, alors après ça peut être un gris normal fabriqué avec du noir et blanc, mais je trouve que c'est plus intéressant de le fabriquer en fait avec un gris vert, et du coup quand la lumière tape en fait la surface du tableau, eh bien quand elle tape la couche de rouge, si tu veux, celle-ci est moins diffractée en fait dans tous les sens, elle va plus dans le sens du regard en fait. Voilà pourquoi je mets une couche de gris vert en fait en fond sur ce tableau. Alors mon intention c'est d'avoir du rouge, tu vois, des fois c'est pas compliqué hein, cette histoire d'intention. J'ai envie d'un tableau rouge. Alors pourquoi? C'est que j'ai envie de peindre de la viande. J'ai deux amis qui sont peintres qui récemment m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit que... Alors il y en a un qui l'a déjà fait parce que c'était une commande en fait de son épouse qui est fille de bouchère, et lui a fait la remarque en fait après avoir été, je crois, au musée de Grenoble où il y a un fameux une pièce de viande en fait de Soutine, du peintre Soutine. Et puis elle lui a dit, bah, écoute, c'est pas normal, t'es peintre et j'ai même pas un tableau qui représente de la viande. Alors il s'y est collé, il a dû en baver pas mal d'après ce qu'il me disait. Et puis un autre ami aussi qui a un autre rapport avec la viande, alors qui vient aussi d'un milieu de boucher. Et lui par contre, la viande, ça n'a pas été du tout bien vu, si tu veux, ça lui a procuré un énorme malaise, et donc du coup il a envie de travailler la viande également pour d'autres raisons, quoi. Voilà. Donc du coup je me suis dit, tiens, après tout, moi la viande c'est pas trop mon truc en peinture, voilà, tu vois. Donc tu vois une intention, comment ça peut se mettre en place, ça peut être aussi, tu vois, recueillir comme ça des informations au passage, quand tu rencontres des personnes, etc., dans le thème de la peinture, tu vois, et puis du coup ça te pose un petit peu une question, tu vois, est-ce que toi, tu pourrais en fait peindre de la viande, voilà. Alors, je dis pas que je vais faire forcément de la viande, mais j'avais envie de ce tableau rouge qui peut-être sera une piste ensuite pour travailler la viande. Et le fait de mettre des morceaux de papier comme ça, un peu froissés, tu sais, la viande, c'est filandreux à certains moments, etc., donc ça peut aider aussi à retrouver en fait cette matière qu'est la viande. Donc je commence avec de l'acrylique, hein. Alors là je fais à l'acrylique, je commence avec un vert sombre, si tu veux, que je vais distribuer sur ma couche de gesso, comme ça, qui est encore un petit peu humide. D'ailleurs, j'ai fait sécher un peu, mais je pense qu'elle est encore un peu humide, ce qui va permettre au noir de pas être, de pas attirer l'œil forcément tout de suite. Elle va s'enfoncer un petit peu dans la couche de gesso à certains moments. À d'autres moments, elle va être un tout petit peu plus intense. Voilà, et je recommence encore avec mon histoire de forme, de masse, c'est-à-dire grande masse, moyenne masse, petite masse, toute petite forme comme ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ça soit pas trop une répétition en fait de la même forme. Voilà, alors là je peux utiliser aussi le couteau, tu vois, pour inscrire déjà des lignes aussi. Les lignes c'est très bien parce que ça permet en fait de structurer ton espace, de rediviser en fait l'espace en différentes facettes. Et ça peut aussi pas mal aider si tu veux switcher comme ça entre des tonalités et tout ça. Déjà t'as moins à remplir, c'est un peu un procédé de paresseux, si tu veux, mais ça marche pas mal, tu peux essayer, si tu veux, voilà, et du coup, ben voilà, je mets ma couche plus claire, là, entre mes masses noires,
Alors, je la mets au couteau pour aller plus vite, hein, et puis ensuite, ben, je vais la retravailler au pinceau avec un peu d'eau pour la rendre un peu plus fluide et puis qu'elle rentre un petit peu dans tous les interstices. Tu vois, le papier journal, par exemple, des fois, il fait un petit relief. Donc, ça peut être pas mal d'utiliser le pinceau après. Et tu vois, là, je m'en fiche complètement, en fait, de cette masse qu'on aperçoit encore, ce rectangle, en fait, puisque je vais le recouvrir avec une peinture un peu plus opaque et on ne le verra plus. Voilà, donc maintenant c'est presque rempli. Alors en fait, ce que je fais, ça me paraît plus simple en fait de filmer d'abord lorsque je suis en train de peindre, et puis je fais la bande-son après, ce qui me permet aussi d'être plus concentré sur une seule chose, tu vois. J'ai du mal, moi, à me concentrer sur deux choses en même temps, je peux pas le faire. Donc j'aurais pu essayer de te parler en même temps que je peignais, mais mon esprit est tellement mobilisé, en fait, quand je peins. Je peux pas t'expliquer, en fait, mobilisé par quoi, tu vois. C'est juste une espèce de veine, en fait, que je suis, comme ça. Et ça m'est très difficile, en fait, de parler en même temps que je peins. Alors que là, tu vois, en créant une piste audio à côté, ça me permet vraiment de reprendre en fait tout le processus de travail tranquillement et puis de te le raconter et puis de décrire à chaque fois ce que je fais, quoi. Voilà, donc là j'ai pris le pinceau et je continue, voilà, je vais remplir un peu tout l'espace. Voilà ce que ça donne, si tu veux. Voilà, ça peut donner quelque chose comme ça. Alors, je crois que je me suis un peu planté dans mon montage parce que je voulais d'abord montrer en fait le tableau à distance, c'est-à-dire en le mettant en fait sur un chevalet. Je pense qu'il va venir après. Non, il ne vient pas après. Je sais pas ce que j'ai fichu. C'est un peu. Bon, j'ai un petit peu merdé dans le montage. Donc après, je reprends mon tableau, si tu veux. Qui est un peu plus sec, et puis je vais commencer à travailler mes rouges. Voilà, donc tu vois, j'y vais pas avec un très gros pinceau. Pour moi, ce pinceau-là, par exemple, il est très bien, parce que ça me laisse le temps, en fait, de voir ce que je fais. Alors que si je prenais un pinceau plus gros, j'aurais tendance à tartiner un peu trop. Alors là, j'y vais tranquille, tu vois. Alors, je remets un petit peu d'eau, j'essaie de diluer la peinture pour pas que ça soit quelque chose de trop opaque tout de suite. Ma couche en dessous est quasiment sèche, mais pas tout à fait, ce qui permet aussi d'avoir par moments des fondus, en fait, entre ce rouge et puis cette couche de gris vert. Ouais, tu vois, j'ai pas besoin de grand-chose, moi, pour me faire plaisir, en fait, hein, tu vois. Une plaque de plexiglas sur laquelle je mets, en fait, mes peintures. De vieilles affiches que je repeins. Un truc très important, c'est le rouleau de scotch, tu vois. Enfin, c'est pas du scotch, c'est du ruban de masquage que je mets systématiquement à chaque fois que je travaille sur papier. Parce que, en fait, il y a une petite récompense à la fin, si tu veux, c'est quand tu retires le ruban de masquage. Je crois que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, puisque je vais peut-être encore intervenir sur le tableau à la fin de la vidéo. Mais je te montrerai ce que ça donne, en fait, sur une autre vidéo, peut-être, le pied que c'est, en fait, de retirer le ruban de masquage. Et alors là, tu vois ton tableau encore mieux, parce que t'as la marge blanche tout autour qui t'augmente ton tableau tout de suite. Parce que là, tu vois, le scotch est jaune. Et du coup, c'est pas très. On a du mal, en fait, à le discerner. Alors, c'est toujours la même histoire, tu vois. De mettre un cadre autour d'un tableau, ça a l'air d'être ringard par les temps qui courent. Hein. Les toiles, maintenant, on met plus beaucoup de cadres en fait hein, sur les toiles. Alors il y a des toiles 3D qui existent de manière à ce que tu peux peindre en fait les bords pour avoir une impression comme ça
de profondeur et de bien fini et tout ça, tu vois. Mais sur du papier, ce qui peut être très très intéressant, c'est d'avoir ce cadre blanc qui va permettre de révéler en fait ton tableau puissance 4, à mon avis, par rapport au moment où tu as le scotch. Voilà, bah, j'ai quasiment tout rempli en fait en rouge. Alors le rouge que j'utilise, ça doit être un rouge primaire, tu vois, de chez Le Frambourgeois, si tu veux, même la marque. Alors les couleurs de Le Frambourgeois sont pas mal à l'acrylique, hein. Alors moi j'utilise un peu tout, tu sais, il n'y a pas vraiment une marque que je préfère par rapport à une autre, parce que en fait même les couleurs que j'achète chez Action, tu vois, c'est des couleurs acryliques très bon marché, mais comme il faut mettre 10 couches pour avoir une intensité vraiment du pigment, c'est intéressant de les utiliser justement quand tu veux faire des voiles, quand tu veux faire des choses comme ça, quand tu veux voiler par exemple des plans, c'est-à-dire travailler avec des glacis un petit peu légers, ben, ces couleurs-là, elles peuvent être assez sympas à utiliser. Mais sinon, j'ai du sennelier, j'ai différentes marques comme ça que j'utilise un petit peu selon la vitesse du vent et l'âge du capitaine, tu vois. Donc toujours pareil, tu vois, quand je passe ma couche de rouge, je ne la passe pas comme un bourrin, si tu veux, sur l'ensemble du tableau. Je pourrais très bien prendre un rouleau. Non, non, je continue, même avec un petit pinceau, justement, pour créer, en fait, à certains endroits, de la vibration dans le rouge. Il y a des endroits où je vais insister un tout petit peu plus pour que le rouge soit plus intense, d'autres un petit peu moins, d'autres où je vais remélanger un petit peu avec la couche humide qui est encore en dessous. Et je ne pense en fait qu'à l'équilibre quand je peins, si tu veux, si j'essaye de te décrire un petit peu à quoi je peux penser, je pense qu'à cette notion en fait d'équilibre à la fois des couleurs, à la fois des masses, à la fois de la longueur aussi des touches. Il y a des moments où je fais des grandes touches et puis des moments des touches un peu moyennes et puis d'autres un tout petit peu plus petites, hein, tu vois. Et comme je suis dans cette attention de ce processus, eh ben, j'ai pas tellement d'émotions en fait, si tu veux. Je m'attache pas à une émotion particulière. Je suis en fait une série d'actions comme ça que moi j'ai déterminé en fait pour construire un tableau. Et puis le tableau se construit, je le regarde se construire et j'ai pas de jugement particulier sur ce que ça peut donner au moment où je le fais. Et même quand je le pose ensuite sur le chevalet, j'ai pas un jugement, si tu veux, positif ou négatif vis-à-vis de ce tableau. C'est simplement, je regarde tout ce qui est équilibre, comment ça fonctionne, et puis ben, je le reprends jusqu'à ce que ça fonctionne. Enfin, c'est pas comme je veux, j'allais dire comme je veux, c'est parce que j'ai pas une idée précise, en fait, de ce que je veux obtenir. C'est simplement, à un moment donné, comment t'expliquer ça? À un moment donné, le tableau va se trouver sur un équilibre, en fait, entre inachevé et terminé. Et c'est là où il faut vraiment être vigilant, c'est justement dans cet équilibre-là, parce que peut-être qu'une forme en plus, un trait en plus, une touche de couleur en plus, eh ben, ça fait tomber en fait le tableau dans quelque chose d'irrémédiable. Alors c'est jamais irrémédiable à l'acrylique, hein. Irrémédiable, c'est un peu une image, si tu veux, parce qu'après tu peux repasser encore, mais c'est pour te dire qu'il y a quand même un petit danger à glisser, si tu veux, d'un équilibre qui pourrait être ce qu'on pourrait considérer comme un à peu près. Mais ce n'est pas un à peu près, c'est quelque chose d'inachevé qui, justement, va permettre à celui qui regarde le tableau de le continuer en le regardant. C'est-à-dire peut-être d'inventer une histoire, d'inventer quelque chose. Donc ne pas trop en dire, ça peut être aussi cette limite qu'on s'impose pour peindre aussi, tu vois. Enfin, moi j'aime bien cette histoire d'inachevé et d'irrémédiable et de s'imposer une limite pour pas en dire de trop. Voilà.
Voilà, donc bon, ben, j'insiste un peu encore sur certaines parties. Voilà, je pense que là j'ai terminé, je nettoie mon pinceau et puis voilà, tu vas regarder le résultat que ça peut donner, tu vois, voilà, tac. Alors je te le mets de loin sur un chevalet, je sais pas si j'ai bien orienté le truc, mais enfin tu comprends, voilà. En le voyant de loin, tu le vois différemment, tu vois, voilà. Et puis je le tourne dans tous les sens aussi, de manière à voir tout le potentiel qu'il peut avoir dans plusieurs sens, en fait, voilà. Voilà, là j'ai rajouté d'autres couleurs après par la suite, je t'ai peut-être pas montré la vidéo. Et voilà, t'as l'ensemble en fait, t'as l'image de fin en fait qui... L'image de fin et du coup ma bande audio dépasse l'image de fin. Bon, c'est pas grave. Écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si t'es intéressé par ce genre de démo, laisse-moi un commentaire. Et puis n'oublie pas de t'abonner si jamais tu l'as pas fait. Voilà. Bonne fin de journée à toi. Salut.